Hey yo les gars, c'est Télium, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau commentaire sur du Black Ops 3 les gars, comme d'habitude, avec aujourd'hui quand même un assez bon gameplay. J'espère que ça va vous faire plaisir les gars, ça change un peu de d'habitude, enfin plus trop on va dire, mais bref, on se retrouve quand même pour un gros gameplay. Voilà, c'est du simple les gars, vous aviez l'habitude de ce genre de gameplay, de les voir en hardcore, et là bah, je vous en propose un en simple. Franchement j'espère que ça va vous plaire les gars, parce que c'est quand même un assez bon gameplay tu vois. J'ai pas l'habitude en simple de rentrer des bons gameplay et tout, donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas. Bref, c'est un plus de 200 kills en simple les gars, voilà, un 202 kills, j'ai tapé du 202 à 15, donc on était en domination sur Nuketown, voilà la base. Dans la game, il y a une nucléaire les gars, réalisée en à peu près 100 secondes, donc voilà, en simple, c'est pas trop mal comme temps, même si c'est pas ouf, ça reste potable. J'ai fait une brutale, je suis mort à 29, vous allez rigoler comment je suis mort. Je me suis pris, enfin franchement, tu vois, j'ai pas l'habitude de dire je prends des bullshit, mais franchement, je trouve que c'était un peu abusé comment je suis mort. Je suis bien mort à 29, sinon j'aurais eu deux nukes plus de 200 kills en simple, ça aurait été pas mal quand même. Dans le gameplay, il y a 4 hôpitaux, il y a, voilà... J'étais en létal, clairement j'étais en létal, parce que en létal c'est assez dur de gérer sans les streaks, franchement les gars, c'est obligé. Raps, fantôme, hater dans le spawn, c'est vraiment mieux. T-Raps t'aide vraiment pour pas être solo contre tout le monde, sinon clairement c'est assez difficile à vraiment gérer. J'avais le purif aussi pour faire des putains de feats, ça c'est clairement les gars, c'est limite aussi cheaté, clairement cinétique en hardcore, vraiment le purificateur ça fait vraiment mal dans le spawn en tout cas. Donc voilà, un bon gameplay quand même, je trouve que c'est pas mal. Il y a pas énormément de plus de 200 kills ensemble niveau FR, même si c'est qu'un plus de 200 c'est pas ouf hein. Il y a par exemple The Beak qui a des plus de 250, donc bon, plus de 200 c'est pas non plus un score énorme, mais bon, ça fait toujours plaisir en simple, parce que avant je vous proposais ce genre de gameplay, c'était plutôt de l'hardcore, mais voilà, ça fait un bout de temps que je vous propose plus beaucoup d'hardcore, voilà, clairement de toute façon j'ai encore pas mal de GP en stock, mais bon, c'est plus hyper intéressant de vous upload ça les gars, je pense que vous n'avez eu votre dose et tout, on arrive à la fin de BO3, donc voilà, je vous propose ce petit gameplay là en ce moment. Clairement ça fait un bout de temps que je tente plus les gameplays, ça m'intéresse plus sur le jeu, j'attends vraiment la bêta déjà, puis que les deux prochains codes sortent, donc voilà, code 4 et IW, mais bon voilà, il y a eu, enfin comment dire, il y a eu un petit mode Nuketown ce week-end, donc voilà, alors que je commente, on est samedi, il est 2h du mat, tu vois, j'ai arrêté de jouer, et la soirée, je l'ai passé un peu dans le Nuketown, tu vois, j'ai fait quelques games, hein. Franchement, j'ai pas fait beaucoup de games en groupe de 6, j'ai dû en faire 4 ou 5 en Nuketown, il y a eu de la domination, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter un petit gameplay. Franchement, l'accueil était dingue. Enfin, l'accueil du début, en tout cas, était vraiment énorme. Genre, il y avait des mecs qui jouaient, je crois, de mémoire, à batte de baseball. Un qui était au point, mais enfin, d'ailleurs, il m'a pété deux séries. Ils m'ont pété deux séries, je sais plus exactement lesquelles, mais bref, l'accueil était quand même vachement pas mal. Il y a eu un peu de rage kit et tout. La deuxième manche aussi, l'accueil était pas mal. Il y a eu du rage kit, hein. C'est, de toute façon, c'est tout le temps comme ça, mais bref, ils étaient pas tout le temps 6 en face, mais bon, bref, c'était quand même un assez bon accueil, à part le mec qui m'a pété, c'était quand même un peu entraînant, mais bon, au final, de toute façon, clairement, quand tu fais des GP, hein, c'est un bon accueil, mais bref, pour revenir au fait que je tente plus vraiment de gameplay et tout, mais bon, je vous ai rentré ce petit gameplay là, un petit plus de 200 kills ensemble. Franchement, un bon GP. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir au niveau du gameplay, les gars. La classe, c'est une classe que je vous ai déjà conseillée il y a pas longtemps. Franchement, c'est une classe maraboutée, les gars. Pour moi, c'est la classe que j'arrive le mieux en ce moment. Bah, de toute façon, je fais que du simple. Maintenant, j'ai arrêté complètement l'hardcore. Pour vous dire, je pense que ça fait plus d'un mois que j'ai pas lancé une game en hardcore. Clairement, j'ai arrêté ça. Ça m'a saoulé. Ça sert plus à rien. J'ai tellement de gameplay sur ma clé USB. C'est pas pour faire le mec et tout, mais genre des plus de 200 kills. J'en ai plus une trentaine, des nukes en 40. 50 secondes, j'en ai à gogo, donc clairement j'ai plus besoin d'en faire maintenant. Joue en simple nos prises de tête juste pour faire des nukes. Voilà, bref, on va revenir à la classe. C'était Ken 44, viseur et loup, chargeur rapide, poignard, go cross. Donc voilà, au niveau des accessoires, on a tout, la base, gilet pare-balles, masque tactique, pilleur. Clairement, la meilleure combinaison pour moi, la meilleure classe en ce moment sur Black Ops 3. En tout cas, voilà, ça se voit avec la manoir, mais vraiment la Ken, elle fait mal de près comme de loin. Et puis le C4 aussi pour les spawn kills comme une petite salope, tu vois, clairement. Bref, c'était tout à peu près au niveau de ma classe, voilà. Y a rien de plus à dire sur le gameplay, j'ai fait à peu près le tour, les gars. Au niveau des vidéos à venir et tout, les gars, je pense que je vais continuer, enfin, pas être énormément actif, comme je l'ai dit, je me concentre plutôt sur ma chaîne de team. Concrètement, j'ai pas énormément d'idées de vidéos sur ma chaîne, j'ai pas énormément la motivation, mais on va essayer de s'y remettre un petit peu, là, je vous ai fait une vidéo cette semaine, j'essayerai jusqu'à la bêta d'en faire deux, genre une vidéo longue le week-end, et en semaine, peut-être vous...
caler une petite nuque express, tu vois, en musique, un truc du genre. Au moins, genre, faire des vidéos par semaine, tu vois, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça que de rien mettre du tout sur la chaîne. Je pense qu'il y a plus à dire. Au niveau du concours que j'avais lancé il y a quelques semaines, les gars, j'ai toujours pas fait le tirage au sort, je ferai pas de vidéo réponse à ça, je marquerai juste un petit commentaire au gagnant, puis on décalera sur Skype ou Twitter pour que je vous donne votre petit code PSN, les potes. D'ailleurs, en parlant de concours, il y a un concours qui se déroule actuellement sur l'Aria, les gars, pour gagner 10 codes bêta. Je dis ça au cas où vous seriez intéressé, vous n'auriez pas vu la vidéo, ça peut toujours vous intéresser, les gars. La bêta qui sort dans 2 semaines, à peu près, voilà, un petit peu moins même. Franchement, la bêta, les gars, j'ai hyper hâte, ça va vraiment me redonner le goût, tu vois, de jouer à BO3. C'est pas que j'ai plus le goût, tu vois, le jeu, je l'aimais encore, mais clairement, j'ai plus la foi de tenter des gameplays et tout, je joue juste comme ça pour que des petites nuques, jouer au calme, quand il y a du nuketone comme ça, à la rigueur, tenter un peu de groupe de 6 en létal, mais bon, sans plus. Donc voilà, la bêta, comme je disais, ouais, franchement, ça va me donner vraiment le goût de jouer à Call of, tu vois, tenter des gameplays et tout, vraiment me remotiver, désolé, j'ai un peu de mal à parler, bref, me motiver à faire des gameplays et tout, ça va vraiment me redonner la foi pour ça, donc je vais vraiment m'y redonner, vraiment peut-être rebombarder les vidéos, clairement, mais bon. Bref, on verra bien en tout cas, ça, on verra la bêta qui sort dans 2 semaines. En plus, normalement, enfin, c'est pas sûr, enfin, normalement, j'aurai assez de temps pour jouer sur la bêta, donc clairement, peut-être taper des nuques, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais bon, je me la donnerai en tout cas, c'est clairement sûr, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Dites-moi quand même, à la rigueur, si ça vous plairait de revoir des petits gameplays comme ça, ensemble, des plus de 200 kills et tout, je pense que ça peut plaire, tu vois, parce qu'il n'y en a pas énormément sur YouTube, hein. À part The Beep, Punkill, qui en avait mis un ou deux, j'en ai pas vu énormément des plus de 200 kills en simple. Voilà, en accord, oui, il y en a eu par plein de gens, mais en simple, il n'y en a pas énormément. Et je trouve que c'est quand même pas mal, ça change un petit peu. Donc voilà, dites-moi si ce genre de gameplay ça vous plaît. J'en referai peut-être encore quelques-uns, tu vois. Bref, en tout cas, c'était tout. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Lâchez le petit like, commentez, partagez. Si on pouvait taper un petit 100 likes, tu vois, sur la vidéo, ça ferait toujours plaisir, les gars. On approche tout doucement, mais sûrement, des 4000 abonnés. Sans être hyper actif, je gagne quand même pas mal d'abonnés sur ma chaîne, c'est cool, ça me fait plaisir. En tout cas, je vais vous laisser là, les gars. C'était tout pour moi, allez, ciao les gars.